L'effort mécanique pour projeter le partenaire sera moindre. Donc quand vous placez bien vos mains pour un étranglement, l'étranglement y est déjà. C'est vrai. Deuxième paramètre très important, ça, c'est vrai. Le déséquilibre. Sachant que quelqu'un, et j'enfonce des portes ouvertes, quelqu'un qui est déséquilibré, tout être humain, foutu normalement, quand il est déséquilibré, son souci, c'est de rattraper son équilibre. On ne peut pas défendre si on est déséquilibré. Ça, on va le voir sur l'étranglement, notamment sur l'arrière. Quand on voit les étranglements qui sont faits derrière le partenaire, quand il n'y a aucun déséquilibre, quand c'est simplement les actions de bras, comme on dit dans le sud-ouest, à la maillotche, le mec va taper parce qu'il sait qu'à un moment donné, il faut qu'il tape, mais il n'est pas étranglé. Donc, premier point, bien placer les mains. Deuxième point, déséquilibrer. Ou, sur des positions à cheval, utiliser non pas la force des bras, mais l'utilisation du poids du corps. Je place mon poids de corps de telle sorte à ce que je puisse être efficace. Autre paramètre important, il y en aurait d'autres. Hein. Mettre un point, si par exemple vous faites une compression au niveau de la trachée, mettre un point en opposition de pression également, comme si c'était en tenaille. Ça aussi, c'est un critère d'efficacité pour votre tremblement. Je répète. Bien placer ses mains, Adakajime, Katajujijime, etc. Je place bien mes mains. Qu'est-ce que je cherche à faire? Je cherche à empêcher le sang de monter au cerveau. Je cherche à l'empêcher de respirer. Mais si je mets mes avant-bras n'importe où, ça ne va pas le faire. Le déséquilibre. Je vais faire en sorte qu'il ne puisse pas défendre. Donc mes mains sont placées de manière le plus juste possible. Je déséquilibre. Il ne pourra pas défendre. Troisième chose, mettre un point d'appui à l'opposé. Et peut-être un dernier critère, parce que ça aussi on le voit, quand on place les mains, on étrangle avec les parties osseuses. Radius, cubitus, on n'étrangle pas avec les gros morceaux de viande ici. Hein. Si je mets le bras comme ça, je vais serrer la maillotche, je vais l'agacer, il va peut-être taper. Mais il sera agacé, il ne sera pas étranglé. Si je fais une pression avec mon radius ou mon cubitus, différent. En matière de self-défense, je même ouverte, je frappe la joue du partenaire, il va avoir la joue rouge. Je frappe mon partenaire avec le tranchant de la main, je lui casse la mâchoire. À surface de pression ou de frappe, plus la surface est étroite, plus l'efficacité est grande. Ça va? Alors je positionne ma main gauche, ma main droite la rejoint. Je ne mets pas mon avant-bras ici, n'importe où, je mets mon avant-bras au niveau du tuyau de l'air qui va monter là. Et mon épaule en face, je vous disais, je mets un appui à l'opposé. C'est-à-dire si je ne fais que tirer comme ça en restant bien droit, je vais l'agacer peut-être, il va taper, il fait chier, il me serre le cou, mais il ne m'étrangle pas. Non, je vais étrangler, c'est-à-dire que je vais mettre mon épaule en regard ici de mon avant-bras. Mon genou est en contrôle. Et maintenant, pour étrangler, voilà, il va chercher à défendre. Ici, de menton poitrine, essayer de casser l'action qui est menée par son bras droit. Et là-dessus, déséquilibre. Mon genou est à fléchir la jambe arrière et laisser partir mon bassin en arrière, c'est reculer légèrement ma jambe gauche et ma jambe droite pour étrangler. Alors ces deux positions sont bonnes, mais à mon avis c'est la meilleure, parce que regardez bien, là je forme vraiment un angle droit, la distance est beaucoup plus courte. Ici, quand je prends comme ça, je suis obligé un petit peu d'écarter mon bras, les distances ne sont pas les mêmes. Ça va? On fait les deux? Phase faciale, l'action prépondérante c'est avec le cubitus, et sur la défense du partenaire c'est mettre le poids de corps, avec un petit contrôle au niveau des jambes. Adakajime. Bon placement, un appui à l'opposé et mon épaule, ma joue est à côté et déséquilibre. Nous allons maintenant voir le katame no kata, on va voir les trois séries, takami waza, shi.
Shimewaza, Tensetsuwaza. So, let's go do it, everybody. Just follow us. Do like this, at least. Et tout le monde se met dans cette position. We call this form, how do you say? Kyoshi. Kyoshi. Or Kurai Dori. Maybe Kyoshi is easy to do. Kyoshi. And when we stand up? This is Shizenta, Shizen Konta. Then we always you know, wearing the neatly. Shoulders, the hips of the neck. Not necessary to keep touching like this, it's natural. And when we sit down, make kyoshi, let's go.